Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. On va s'intéresser cette semaine à un secteur ultra puissant outre-Atlantique, l'industrie pétrolière. Aux États-Unis, le pétrole génère près de 150 milliards de dollars chaque année. Avec le boom du gaz et du pétrole de schiste de 2008, le pays a augmenté sa production de 75% jusqu'à retrouver son rang de premier producteur mondial de pétrole. Mais à quel prix? Car aujourd'hui, c'est la surproduction. Les réserves sont pleines, le prix du baril de brut est passé de 100 à 30 dollars et la production n'est parfois plus rentable. Plus de 350 000 emplois dans l'industrie pétrolière ont été supprimés aux États-Unis. Nos correspondants sont allés de la Californie à l'Oklahoma à la rencontre des petits producteurs de pétrole indépendants pour montrer le visage humain d'une industrie souvent considérée comme opaque. Les États-Unis en overdose de pétrole, c'est un reportage de Valérie Defer et Alexis Oran. Le samedi à Bakersfield, c'est la traditionnelle course de véhicules tout-terrain. Au volant de la voiture numéro 1, une figure locale, Scott Pounds, champion national d'autocross. J'ai 57 ans et j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Je fais de la course depuis 42 ans. Mais depuis quelques mois, Scott voit les écuries du circuit se vider peu à peu. Il y a deux ans, il y avait probablement 30-35 voitures dans ma division et maintenant, certains soirs, on n'est que 15-16 voitures. Ça s'est dégradé à cause de la crise pétrolière. Beaucoup de gens n'ont plus les moyens. À Bakersfield, la crise touche l'ensemble de la communauté car ici, tout le monde travaille de près ou de loin dans le pétrole. Ce soir-là, nouvelle victoire de Scott et de son bolide. Et lorsqu'il n'est pas sur un circuit, Scott pilote cette tour de forage. Il produit 500 barils par jour. Mais avec un prix en baisse de 70%, difficile de rester rentable. On a à peu près 15-20% de nos puits qui sont à l'arrêt car ce n'est plus rentable de produire. Ça nous coûte de l'argent de produire. Un tiers des employés ont été licenciés. Pour garder son emploi, Scott a dû faire des sacrifices. Il a baissé son salaire de 20%. Ce n'est pas un job facile. On mérite chaque centime qu'on gagne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment ou font faillite. On entend souvent parler de plans sociaux et de gens qui perdent leur emploi. Le comté de Kern a longtemps été le premier producteur de brut du pays. Ici, les puits de pétrole s'étendent à perte de vue. Jusqu'en 2014, le baril dépassait les 100 dollars et les compagnies pétrolières pompaient à tour de bras. Mais aujourd'hui à Bakersfield, près de la moitié de la population est au chômage technique. Il faut se lever très tôt pour rencontrer les ouvriers du pétrole. Dès 5 heures du matin, ils se retrouvent dans ce diner de Bakersfield. D'ordinaire, il est difficile d'avoir une table chez Papy's. Mais depuis la crise, les clients se font plus rares. Robin et Kyle travaillent pour une société de transport de brut. Ces derniers mois, leur activité a été divisée par deux. On a perdu au moins 50% de notre activité avec Chevron. Les gars qui gagnaient des centaines de milliers de dollars ont maintenant des salaires de 50 000 dollars. Chez Papy's, l'histoire du pétrole se raconte sur les murs. Depuis la ruée vers l'or noir des années 1900, à la présidence de Bush qui a boosté l'industrie. Et dans ce bastion républicain de Californie, on ne place pas beaucoup d'espoir dans la prochaine élection présidentielle.
C'est la pire élection présidentielle que j'ai jamais vue. Avec Hillary qui... Tant pis, je le dis quand même. C'est une femme qui n'a pas de cœur, ça se voit dans ses yeux. Trump est peut-être le seul capable de relever l'économie, mais il est ingérable. Pour bien comprendre l'ampleur de cette crise, il faut se rendre dans l'Oklahoma. Avec le développement de la fracturation hydraulique, la production de pétrole a augmenté de 75% en 10 ans. Le pays est passé de 5 à près de 9 millions de barils par jour. Résultat, les États-Unis n'importent plus que 25% de leur pétrole, contre 60% il y a 10 ans, ce qui a contribué à la surproduction mondiale. Darlene Wallace est une ancienne hôtesse de l'air, devenue productrice de pétrole. À la mort de son mari, Darlene a pris la tête de Columbus Oil. L'entreprise familiale possède une trentaine de puits de pétrole dans la région. Celui-ci est en réparation. Lorsque le prix du pétrole est tombé à 30 dollars, j'ai dû arrêter certains de mes puits parce que les frais de fonctionnement pour pomper étaient d'environ 40 à 45 dollars par baril. Ici, tout le monde essaie de rester positif. Le marché du pétrole est cyclique. Là, c'est en train de se stabiliser à environ 40 ou 45 dollars le baril. Au moins, on a toujours du boulot. Depuis 2008, l'Oklahoma a développé sa production grâce au fracking, qui permet d'aller chercher le pétrole coincé dans la roche. Une technologie très sophistiquée et très coûteuse que seules les multinationales peuvent s'offrir. Ça coûte très cher à forer et donc souvent ils ont un prêt bancaire et une dette à rembourser en plus de devoir rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc beaucoup de puits horizontaux ont dû fermer et beaucoup de multinationales font faillite. Mois après mois, Darlene Wallace voit ses confrères, petits producteurs indépendants, mettre la clé sous la porte. Aux États-Unis, plus d'un tiers des producteurs de pétrole sont menacés de faillite. Ça, c'est une vente aux enchères. Et tous ces puits sont vendus aux enchères à cause de toutes les faillites. Avant, il n'y avait qu'une vente par an. Maintenant, il y en a une tous les 3-4 mois. Pour Darlene, les restrictions imposées par l'administration Obama n'ont fait qu'empirer la situation. Et Donald Trump apparaît comme le seul candidat capable d'atteindre l'indépendance énergétique totale. Je n'ai pas d'autre choix que de voter pour lui, car choisir l'autre candidat voudrait dire encore 4 ans de cet homme-là. Et le pays ne peut pas se le permettre. Ce pays ne peut pas se permettre de fonctionner sans l'industrie pétrolière. Ils ont déjà essayé de fermer l'industrie du charbon et maintenant, ils essaient de faire la même chose avec le pétrole. Mais ce qu'on essaie de faire aux États-Unis, c'est de devenir complètement indépendant du pétrole du Moyen-Orient. Grâce au fracking ? Oui, avec le fracking et les puits horizontaux, c'est le fracking qui a permis d'augmenter la production nationale. Et le fracking n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Pourtant, avec le boom du pétrole de schiste, sont arrivés les problèmes environnementaux. Jefferson Chang est sismologue. Avec ses étudiants, il installe des détecteurs de séisme dans toute la région. Car dans l'Oklahoma, le nombre de secousses a été multiplié par 200 en 8 ans. Avant 2008, nous avions plusieurs dizaines, peut-être 100 tremblements de terre par an. Et l'année dernière, nous en avons recensé 28 000. Les scientifiques ont établi une corrélation entre l'augmentation de la production du pétrole dans la région et le nombre croissant de séismes.
Que ce soit la technique du fracking ou du pétrole conventionnel, le problème vient du traitement des eaux usées. Car pour chaque baril de pétrole produit, 10 barils d'eau sont extraits, puis réinjectés à haute pression dans le sol. La théorie la plus fiable est que le fait de réinjecter les eaux usées en profondeur dans le sol engendre ces mouvements sismiques. Donc plus ils produisent de pétrole, plus ils génèrent d'eau usée. Et la méthode du fracking permet d'atteindre de nouvelles sources de pétrole à pomper, donc plus d'eau usée à réinjecter. La famille Bryant élève des bovins depuis 3 générations. Le 3 septembre dernier, l'Oklahoma a connu le tremblement de terre le plus puissant de son histoire, 5,8 sur l'échelle de Richter. À 7h du matin, la maison de Johnny s'est mise à trembler. C'est comme s'il y avait un gros hélicoptère dans la maison. Ça faisait et ça ne s'arrêtait pas. On savait qu'il pouvait y avoir des séismes, mais pas des si puissants. C'était interminable. Je dois faire très attention quand mes petits-enfants sont là. Je ne veux pas qu'ils s'approchent d'ici. Ces pierres sont trop instables. Je vais laisser celle-là tomber. Avec son avocat et une 50aine d'autres habitants de la région, Johnny a lancé un recours collectif, une class action, pour demander réparation à l'industrie pétrolière. Les arguments de l'industrie pétrolière sont toujours les mêmes. 1. Qu'ils ne sont pas responsables du problème. 2. Les preuves scientifiques n'existent pas, alors qu'en fait elles existent. Donc jusqu'à présent, l'industrie a dit qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Pourtant, la seule chose que demandent les habitants, c'est d'avoir une bonne relation de voisinage avec l'industrie pétrolière. Pour les habitants de l'Oklahoma, c'est presque devenu une routine. La terre tremble quotidiennement. La femme de Johnny suit les secousses sur son smartphone. Celui de magnitude 2,9 était à 4h27 du matin. Puis il y en a eu un de 3,2 et à 1h30 du matin, un de 2,3. Donc combien sur 24 heures? Il y en a eu 17 en 48 heures. J'ai vécu ici toute ma vie, 71 années. Et lorsque j'étais une petite fille, nous ne ressentions pas les séismes. Pas non plus lorsque j'étais adolescente. On a commencé à sentir les séismes il y a 5 ans. Au total, plus de 7 millions d'Américains sont menacés de séismes liés à l'activité humaine. À chaque fois dans des États qui produisent beaucoup de pétrole, comme le Colorado et le Dakota du Nord. Suite au séisme, le gouvernement de l'Oklahoma a ordonné la fermeture d'une 50aine de puits d'eau usée comme celui-ci. Un nouveau coup dur pour l'industrie, car chaque puits d'eau usée est relié à plusieurs puits de pétrole. Suite au dernier séisme, le gouvernement a fermé 27 puits d'eau usée. Et j'ai un ami qui a 2 puits d'eau usée dans ce coin. Donc la fermeture de ces 2 puits d'eau usée a engendré la fermeture de 8 puits de pétrole. On perd beaucoup de production. Darlene n'imagine pas son avenir dans les énergies renouvelables, comme le souhaiteraient les démocrates. Pour elle, le solaire et l'éolien sont trop coûteux à exploiter. En revanche, elle mise beaucoup sur les marchés étrangers, car pour la première fois depuis 40 ans, les États-Unis recommencent à exporter du pétrole. Une façon d'écouler les stocks, et surtout d'assouvir la soif de brut des pays émergents. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. La question des assignés à résidence, plus d'un an après le décret de l'état d'urgence en France. Après les attentats du 13 novembre 2015, plus de 400 personnes ont été placées sous surveillance avec pointage obligatoire au commissariat près de chez eux et interdiction de quitter leur domicile à des horaires bien précis. Aujourd'hui, beaucoup de ces assignations ont été levées, mais 94 personnes font encore l'objet de cette mesure. L'État considère que ces personnes sont susceptibles d'être une menace pour la sécurité publique, mais beaucoup d'entre eux s'en défendent et estiment que leur situation doit évoluer. Nos reporters ont été à leur rencontre pour comprendre leur situation.
C'est un reportage de Jean Barrère et Noureddine Bezoui. Tous les jours, le même trajet. 4 km, destination le commissariat de Deuil-la-Barre, en région parisienne. 3 pointages par jour, à 8h, 13h, 19h. Nicolas est assigné à résidence depuis un an. Je mets environ une demi-heure quand je m'accélère. Quand je vais doucement, ça peut prendre 35-40 minutes. De temps en temps, je peux prendre le bus parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, en général, ça me prend environ 3h30 par jour, au minimum, plus le temps de signer. L'État considère qu'il constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. On le soupçonne d'avoir géré un site de propagande djihadiste avec son demi-frère et des comptes pro-Daesh sur les réseaux sociaux. Je suis totalement l'opposé de ce qu'on dit sur moi. Quand on m'envoie mes assignations, j'ai l'impression qu'on me parle d'une autre personne. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont convaincus qu'il y a une personne dont ils parlent, mais cette personne, c'est pas moi, parce que moi, je me connais. Tous mes proches, ils me connaissent. Quand j'en parle à tout le monde de cette histoire, au début, on se moque de moi, on me dit « Non, mais tu rigoles. » Puis quand je leur montre les papiers, ils disent « Mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont te laisser tranquille ?» Début 2016, il fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme, classée sans suite. Son assignation a pourtant été prolongée, avec des conséquences directes. Ma vie financièrement, j'ai pas de vie. Je me suis acheté un jean en un an. Mes paires de chaussures, je les reçois le jour de mon anniversaire, comme je vous ai dit. C'est vraiment très très compliqué. Ça fait plus d'un an qu'on vit pas, que je survis. Même avant ça, la situation, comme je vous l'ai dit, elle était très compliquée. Et maintenant, c'est encore pire. Au total, ils sont 94 en France à être assignés à résidence. Après les attentats de 2015, le gouvernement adopte l'état d'urgence qui facilite les assignations. Plus besoin de passer par un juge ni par une enquête judiciaire, le pouvoir est donné au préfet. L'assignation en résidence en particulier est une mesure qui permet de prévenir de possibles troubles à l'ordre public, y compris précisément lorsque les informations disponibles ne sont pas encore suffisantes pour engager une procédure judiciaire. Mais les dispositions sont prises pour assurer le lien entre ces mesures et une possible phase judiciaire ultérieure. Une phase judiciaire, c'est ce que certains souhaitent. En 2015, Ali est lui aussi assigné à résidence. Motif, il est le secrétaire de la mosquée de Lagny-sur-Marne, jugé radical. Vous savez, ça fait un an aujourd'hui que je suis assigné à résidence. Je n'ai jamais rencontré une personne des services de renseignement qui m'interrogerait ou qui... Voilà, je pense que c'est quand même normal qu'il y ait une enquête. À partir du moment en fait où vous expliquez que des personnes sont dangereuses, qu'elles sont tellement dangereuses qu'il y a lieu de les mettre de côté, en étant cohérent, il faut aller au bout de ces choses-là. Mettez-nous en prison alors. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Prenez un juge judiciaire et tout, et mettez-nous en prison en attendant qu'il y ait une enquête qui soit faite. Un recours existe devant le tribunal administratif. Azif Arif en a fait l'une de ses spécialités. Avec une association de défense des musulmans, il a entrepris de défendre plusieurs de ses cas. Une tâche ardue. Les assignations à résidence se fondent sur des notes blanches. Ces documents à charge émis par les services de renseignement, ni datés, ni sourcés. C'est des supputations en fait. C'est à chaque fois, il aurait fait ça, c'est du conditionnel. Et en fait, tout ce contentieux est au conditionnel. Il n'y a jamais des choses qui sont affirmées. Et puisque les choses ne sont pas affirmées, quand vous arrivez devant le tribunal administratif, vous vous défendez sur des supputations. Certains de leurs recours ont permis de lever des assignations, mais ces périodes laissent toujours des traces. Sophie, mère de 3 enfants, a été assignée durant 2 mois. Cette convertie est parvenue à faire lever cette décision. Mais en août, sa maison est perquisitionnée. En cause, ce pied de caméra, apparu dans une vidéo de prêche de son mari, imam. La police a cru qu'il s'agissait d'une arme. La section de recherche de Marseille est venue se déplacer jusqu'ici, simplement pour tomber sur ça. Donc ils ont vite compris que ce qu'ils avaient vu lors de la vidéo, c'était ce trépied d'appareil photo. Il y a eu toute une période après l'assignation, la perquisition, on a l'impression d'être persécuté, qu'ils nous en veulent absolument et que voilà, que le moindre fait et geste, même si on n'a rien à se reprocher, il doit être épié et voilà. Et aujourd'hui, malgré que ce soit arrêté, j'ai l'impression de ne plus avoir de vie privée. Sophie cherche désormais à être dédommagée par l'État
pour les griefs qu'elle a subis. Halim employait 3 personnes dans son entreprise de dépannage moto. En 2015, il est assigné 2 mois à résidence. Incapable de gérer sa société, il licencie. Et là maintenant, voilà, là on revient à la case zéro en fait, on revient à la case départ. C'est comme si j'avais fait tout ça pour rien. Je me retrouve à charbonner comme ça, à porter des scooters, j'ai mal au dos, j'ai une sciatique, une hernie discale. Je suis plus censé faire ça là-bas. L'État a finalement reconnu son erreur, mais Halim ne compte pas en rester là. Il y a quelques jours, il a entamé une procédure pour être indemnisé. Le jour d'aujourd'hui, on prive ma famille, on prive moi de jouir de ces plaisirs que j'avais longuement acquis. C'était à moi. Je te rends à personne. J'ai tout eu par ma volonté, par le fait que je voulais m'en sortir dans la vie. Et voilà, je l'ai fait. On vient et on me défait tout. Donc je demande des comptes, ce qui est tout à fait normal en fait. Il n'y a pas plus légitime que ça. L'état d'urgence devrait être maintenu jusqu'en mai 2017. Les assignations avec. Lorsqu'elles seront levées, de nombreux assignés pourraient intenter une action en justice. En Italie, l'année 2016, année record sur le front des arrivées de candidats à l'asile. Ils sont près de 170 000 à avoir débarqué sur les côtes de la péninsule. Une fois identifiés, tous sont repartis dans les différentes régions italiennes. Tandis que certaines rechignent à leur ouvrir leurs portes, la région Basilicate, par contre, est l'une des seules à miser sur l'arrivée des demandeurs d'asile pour booster le développement de la main-d'œuvre et des services. Au cœur de leur modèle d'accueil, la répartition par petits groupes de demandeurs d'asile dans les différentes communes pour éviter leur ségrégation et faciliter l'intégration avec les communautés locales. Notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, s'est rendue sur place et nous dit plus sur ce modèle d'intégration à contre-courant dans cette région du sud profond de l'Italie. Ciao, maman. Quelques paroles en italien lui suffisent pour faire connaissance avec ses nouveaux voisins. Comment ça ? Bene. Avant d'arriver ici, Sanusi a parcouru un long périple avec sa famille. Parti du Sierra Leone, il a traversé le Nigeria et la Libye avant d'embarquer dans un bateau de fortune à Tripoli vers l'Italie. Fraîchement débarqué, Sanusi a été transféré ici en Basilicate, cette région du sud qui prévoit pour chaque candidat à l'asile un parcours d'intégration personnalisé. Allô ? Bonjour. Bonjour Sanusi, bienvenue. No problem. On va vous poser des questions concernant votre profil professionnel. Quel métier faisiez-vous dans votre pays ? Je travaille dans le bâtiment, j'étais charpentier. Croiser formation et expérience professionnelle. Objectif, comprendre comment Sanusi peut intégrer la main-d'œuvre locale. Quel genre de travail voudriez-vous faire ? Un travail dans le bâtiment. S'il y a une opportunité de travailler comme plombier, ça vous irait ? Oui, ça fait partie du même domaine. On fait un bilan des compétences de chacun d'entre eux. Après, on les inscrit dans le bureau d'emploi. Ça nous sert à leur proposer des formations en fonction de leurs compétences, à partir de leurs expériences professionnelles. Nous cherchons à profiter du temps que nous avons devant nous. Profiter du temps, car l'analyse de la demande d'asile de Sanusi par la préfecture locale prendra des mois. Tu dois niveler ici pour que ce soit uniforme, avec un mouvement horizontal. Alors en attendant, il participe à une formation de rénovation d'intérieur. Aujourd'hui, l'heure est à la peinture de ce centre communautaire. C'est utile pour moi, car j'acquiers de nouvelles compétences. Je dois apprendre plusieurs métiers, parce qu'on ne doit pas dépendre uniquement d'un seul métier. Après quelques jours dans un centre de premier accueil, un appartement indépendant a été assigné à Sanusi et sa famille, car il n'est pas venu seul en Italie. Ses jumeaux sont nés en Libye. Là où il a travaillé pendant 4 ans pour pouvoir payer le passage de toute la famille.
Je rêve que mes enfants aient une bonne éducation et une vie meilleure, la vie que je n'ai pas pu avoir moi-même. L'arrivée de familles comme celle-ci est vue comme une aubaine dans cette région de l'Italie méridionale qui se vide de ses résidents. En 10 ans, la Basilicate a perdu plus de 20 000 habitants. D'une part, nos jeunes partent étudier dans le nord et souvent ils ne reviennent pas. Mais on a aussi le problème de la dénatalité. Il y a plus de morts que de bébés qui naissent ici. Depuis 3 ans, Marcello Pitella tient les rênes de la région. Convaincu que l'immigration peut être une des clés pour redonner vie à la Basilicate, il a triplé le nombre de demandeurs d'asile accueillis par rapport au quota régional fixé par le gouvernement. Questo fenomeno siamo in grado di guidarlo e non di subirlo? La immigrazione. Faut-il subir ou canaliser ce phénomène? L'immigration peut être une opportunité et pas un fardeau pour nous. Elle peut nous aider aussi à régler le besoin de repeuplement pour freiner le dépeuplement et la désertification. Repeupler pour préserver les services publics. À 16 ans, Mohamed a quitté seul la Côte d'Ivoire. Depuis son arrivée dans la Basilicate, il participe à l'entretien de cette maison de retraite publique. Je viens ici pour les aider, les apporter de l'aide, parce qu'ils sont des gens fragiles. Donc ils ont besoin d'aide, donc je les aide, les saluer, puis rigoler avec eux souvent. Comme les autres migrants mineurs non accompagnés transférés dans ce village, Mohamed ne peut pas être expulsé. L'État italien se doit de le loger et le scolariser. Dans nos écoles, on n'a parfois pas assez d'élèves italiens pour remplir une classe et différentes sections d'âge doivent être regroupées ensemble. Cela fait baisser le niveau général d'enseignement, mais grâce aux jeunes immigrés, nous réussissons à atteindre le seuil d'élèves minimum par classe. Leur présence est déterminante. C'est le cas dans cette école. Ici, la présence des jeunes étrangers garantit la survie de certaines classes et le maintien des enseignants. Lis le texte que tu as écrit. Je m'appelle Samir, je viens d'Égypte et j'ai débarqué en Sicile. Actuellement, quelques 7000 détenteurs d'un visa humanitaire résident en Basilicate. Dans cette région rurale, beaucoup intègrent la main-d'œuvre dans le secteur agricole. D'autres se tourne vers les services. Anthony, nettoie cette partie-là en haut. Avec son permis de séjour humanitaire en poche, Anthony a décroché un stage rémunéré dans cette entreprise de transport. Un premier pas pour se construire une vie autonome et soutenir sa famille restée au Nigeria. J'ai 2 enfants. Ils vont à l'école au Nigeria. J'essaye de les aider. Vous leur envoyez de l'argent? Oui, cet argent c'est pour les aider. Mais j'aimerais qu'ils me rejoignent ici. Ici plus qu'ailleurs, Anthony a une chance de transformer ses rêves en réalité. En 2015, 40 000 étrangers ont travaillé dans cette région qui a enregistré une croissance de plus de 5%. Presque un miracle. Désormais, son gouverneur ne cache plus son ambition. Exporter son modèle d'intégration ailleurs en Italie et même en Europe. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Direction l'Argentine. Depuis son investiture il y a 1 an, Mauricio Macri enchaîne les mesures en faveur des entreprises. Fin du contrôle des changes, baisse des taxes et des droits de douane, coupe dans les subventions et la fonction publique, normalisation des relations avec les fonds vautours et le FMI. La révolution libérale est en marche. Une politique pro-business pour attirer à nouveau les investisseurs dans le pays et redresser son image, ternie par le protectionnisme imposé par l'ancienne présidente Cristina Kirchner. Mais pour l'instant, loin de faire redémarrer la machine économique, ces mesures douloureuses freinent la croissance, font flamber les prix et poussent une partie des Argentins dans la rue. Reportage de Karina Chabour et Claire Williams. Et voilà. Un beau bouchon.
Il y a 10 ans, Jean-Édouard de Rochebouette a investi dans un vignoble à Mendoza. Cette année, il prévoit de produire 600 000 bouteilles, dont les 2/3 partent à l'étranger. Alors avec la fin des taxes sur les exportations, pour lui, l'arrivée de Mauricio Macri est une bénédiction. Il est parfait ? Il est parfait. Par exemple, pour exporter du vin, je devais payer 5%. Et ça, ça a été supprimé à partir du 10 décembre, à quelques jours près, quand le président Macri a assumé ses fonctions. Donc déjà, rien que ça, ça fait 5% d'amélioration de rentabilité. C'est énorme. Aujourd'hui, le Français se dit prêt à étendre son domaine et à investir dans de nouvelles machines. Ah, Vincent, tu es là ? Ouais. Son voisin de bureau, un autre Français, salue lui aussi la politique pro-business du nouveau président. Depuis 26 ans, Vincent Chevalier dirige une agence de voyage. Pour lui, grâce à Macri, le peso s'échange librement face au dollar ou à l'euro. Résultat, les touristes européens profitent d'un peso faible, les Argentins, eux, ne payent plus de taxes lorsqu'ils dépensent à l'étranger. Enfin, son projet d'hôtel au pied des Andes est relancé. Depuis 2-3 ans, le projet hôtelier est un petit peu congelé parce que les investisseurs étrangers étaient très réticents à investir en Argentine. Et je pense que cette nouvelle ouverture va nous aider et on va pouvoir compléter notre tour de table et construire ce projet hôtelier au milieu des vignes. Un climat propice aux affaires, c'est le credo de Mauricio Macri. Depuis son investiture en décembre dernier, il défait une à une les mesures protectionnistes mises en place par l'ancienne présidente, la très péroniste Cristina Kirchner. Un virage libéral pour tenter de redresser l'économie et redorer le blason du pays auprès des investisseurs, comme lors de ce forum destiné à vendre ses réformes aux grands patrons du monde entier. Il y a déjà des milliards de dollars de promesses d'investissement. Mais l'investissement, ce n'est pas un chèque qui se transforme du jour au lendemain en une nouvelle usine. Il faut prendre les bonnes mesures pour attirer les investisseurs, pour embaucher et développer les projets. Un changement qui ne fait pas que des heureux. Pour réduire les déficits, Macri a brutalement supprimé les prix subventionnés pour l'eau, le gaz ou l'électricité. Un assainissement nécessaire pour le président, mais douloureux pour les petits commerces ou les associations. Dans ce quartier populaire de Buenos Aires, le club Francisco Pienovi propose aux jeunes des activités sportives et culturelles pour seulement 3 euros par mois. Pour Luciano Balsar, son président, le club est un rempart contre la délinquance. Ces jeunes, il faut les occuper, leur faire faire du sport, leur transmettre des valeurs, pour qu'ils restent dans le droit chemin et ne tombent pas dans la délinquance ou la drogue, et ce type de situation qui serait nocif pour eux, mais aussi pour toute la société. Avec la fin des subventions, les factures flambent, l'association craint pour son avenir. En 8 mois, on est passé à 1600 pesos. Et avant, on payait à peine 1000 pesos. Eux nous disent d'augmenter la cotisation, mais on ne peut pas faire ça. Notre idée, c'est de sortir les jeunes de la rue. Et comme ils n'ont pas d'argent, on ne peut pas les exclure. Pour eux, Mauricio Macri et son gouvernement ne s'intéressent qu'aux riches. Leur politique, c'est d'arrêter de taxer les exportations de produits agricoles ou de la mine. Du coup, l'État n'a plus d'argent pour financer les subventions, et maintenant, c'est au peuple de payer. Pour organiser la riposte, Luciano se rend au siège de l'Union des associations de quartier. Ces derniers mois, il multiplie les actions, sans résultat. Écoute, ça fait 4 ou 5 mois qu'on est en lutte. Pour l'instant, le gouvernement ne nous écoute pas. Ils essaient de nous convaincre que la hausse des prix est nécessaire. Mais imagine-toi que le gaz a augmenté de près de 1000%. Les associations de quartier ne sont pas les seules à se mobiliser. Sur la place de Mai, en face du palais présidentiel, les manifestations s'enchaînent. D'un côté, les fonctionnaires en colère contre les fermetures de postes, plus de 70 000 en 6 mois. De l'autre, les petits maraîchers dont les coûts de production explosent. Depuis le début de l'année, nous avons connu une énorme dévaluation.
qui nous a très fortement affectés, nous et notre production. Et puis en lien avec cela, nous avons aussi une inflation galopante de l'ordre de 40%. Pour se faire entendre, il distribue 20 000 kilos de légumes. Le prix des engrais est en dollars. Nous, on doit les importer, c'est très cher. Pour nous, aujourd'hui, c'est très difficile de vivre de notre production. Certains dans la foule ont fait des kilomètres pour une salade et quelques oignons. Pauvreté, inflation, chômage, la troisième économie d'Amérique latine est encore loin d'être tirée d'affaire. Avec ses réformes douloureuses, l'Argentine de Macri veut se montrer à nouveau attractive pour les investisseurs. La rue, elle, n'a pas fini d'hurler sa colère. Notre focus nous emmène ce soir en Côte d'Ivoire, qui a lancé fin 2016 une vaste campagne de lutte contre les faux médicaments. Un véritable fléau. Dans le pays, 30 à 40% des médicaments consommés sont achetés dans la rue. Réputés peu chers et extrêmement prisés, ils sont pourtant toxiques, surdosés ou au contraire totalement inefficaces. Importés d'Asie, du Ghana ou encore du Nigeria, ils transitent par Abidjan pour ensuite inonder toute la sous-région. Le trafic de ces faux médicaments est en constante augmentation en Afrique de l'Ouest. Et car il est des plus lucratifs, il rapporte 20 fois plus que celui de la drogue, avec des conséquences dévastatrices sur la santé des populations. Côte d'Ivoire, l'épidémie de faux médicaments. C'est un reportage d'Arnaud Forget et d'Anna Sylvestre-Trainer. Dans l'effervescence et la chaleur, plus de 2 millions de personnes se pressent ici chaque jour. À Djamé, le quartier commerçant d'Abidjan, on trouve de tout et au meilleur prix. Dans ces rues s'est installé le plus grand marché de faux médicaments du pays. Roxy est illégal, mais il est connu de toute la Côte d'Ivoire et regorge de produits miracles. Ça c'est pour les courbatures. Ça c'est pour les courbatures aussi. Les modérés, tu as modéré, tu as vraiment la poitrine, tes courbatures de tes mains comme tes pieds. Tu masses, ça te soulage. C'est bon pour ma santé et c'est bon aussi pour l'économie. Au lieu de payer ça à 1000 francs, 2000 francs à la pharmacie, ici je préfère payer ça à 500 francs. Et c'est la même santé. Ah, c'est meilleur. Et la Côte d'Ivoire, rien ne marche. Le commerce est prospère. Elles ne sont pas moins de 8000 que des femmes à vendre toutes sortes de remèdes. Certains moins anodins que de simples pommades. Ceux qui vendent pour comprimer, ils sont en haut là-bas. Et tu peux trouver de les prendre là-bas. Tout ce que tu peux trouver ça là-bas. On peut trouver vaccin aussi? Vaccin, oui. Tout ce que tu veux, tu rentres là-bas. Puis tu demandes s'il y en a, on te donne. Face aux caméras, pilules, seringues et vaccins en tout genre disparaissent en un clin d'œil des étals. Il faut alors regarder sous les pagnes ou dans les poubelles. Roxy promet de faire des merveilles. Et qu'importe si ces vendeuses ne connaissent rien à la médecine, si leurs médicaments sont exposés au soleil et à l'humidité. Un marché illicite qui inquiète les professionnels de santé. Pour ces experts, les médicaments de la rue, sans aucune traçabilité, sont un réel danger. Ça peut être des placebos, des médicaments sans principes actifs. On peut trouver des médicaments avec des principes actifs qui ne sont pas forcément les bons. Si on trouve des produits toxiques dans le médicament, ils peuvent altérer certaines fonctions de l'organisme, aller jusqu'à la mort. 30 à 40% des médicaments consommés en Côte d'Ivoire viennent de la rue. Aux dépens de la santé, ils sont devenus l'objet d'un trafic bien organisé. Il y a des vrais médicaments du circuit licite qui se retrouvent dans la rue par la faute de certains pharmaciens. Il y a aussi des commerçants véreux qui peuvent aller en Chine ou en Inde acheter des conteneurs de médicaments et avec la complicité des douanes, faire rentrer ces produits sur le territoire ivoirien et les distribuer sur le marché, un peu comme ce type d'antibiotiques ou autre chose. Une vaste chaîne de corruption s'est installée autour des médicaments. Alors cette centrale d'approvisionnement s'est mise sous haute sécurité. De l'importation à la distribution, les médicaments sont suivis par GPS. Il en va de la santé des patients. Un malade
va dans la rue, il achète une amoxicilline qui n'est peut-être même pas de l'amoxicilline à l'intérieur, il va prendre deux comprimés. Mais il se retrouve en dessous de la dose nécessaire pour tuer les bactéries, qui tout de suite, les bactéries vont développer des résistances. Et après, ce médicament, il n'est plus efficace. De sorte qu'il faille après trouver un médicament qui va coûter encore plus cher. Faire revenir les patients dans les officines est devenu une urgence dans le pays. Vente de plaquettes à l'unité diffusion des génériques, on y trouve désormais des médicaments à moindre coût. Il y a quelques années, pour faire un traitement anti-ulcéreux pour certaines maladies chroniques telles que l'ulcère, telles que l'hypertension, telles que le diabète, il fallait débourser pour un médicament antidiabétique ou au moins anti-ulcéreux au moins 10 000 francs CFA, c'est-à-dire autour de 15,20 € minimum. Mais aujourd'hui, avec le déconditionnement que nous effectuons, que nous faisons en officine, avec également la loi sur la vulgarisation du générique, aujourd'hui, on peut avoir ce traitement-là à moins de 2000 francs CFA. Mais souvent, beaucoup de patients ne sont pas informés. Autant d'efforts vains pour l'instant. Alors pour lutter, la Côte d'Ivoire vient de mettre sur pied une cellule spéciale. Sa tâche est immense. C'est une mafia, nous le savons, c'est une mafia. C'est des gens riches, puissants, c'est des gens qui échappent à la justice. Même quand ils sont pris, c'est pas toujours évident qu'ils restent en justice. Cette corruption rend difficile effectivement le travail. Mais les risques au plan sanitaires sont graves. Et au regard de ces risques-là, on ne peut pas laisser faire. Voilà. Et moi, je pense qu'à la limite, ceux qui se lancent dans ce commerce sont, excusez-moi le terme, des assassins. 20 fois plus rentable que celui de la drogue, le trafic de faux médicaments n'a cessé de progresser ces dernières années sur le continent. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. La boxe féminine est une discipline qui dérange encore. Elle n'a été acceptée comme discipline olympique qu'en 2012. Son succès commercial est encore loin d'atteindre celui des hommes et les boxeuses doivent batailler pour vivre de leur sport. Le Mexique est pourtant l'un des pays où elles sont les mieux reconnues. Le pays d'Amérique du Nord a vu naître quelques 200 champions du monde de boxe et les femmes sont désormais les bienvenues sur le ring. Le reportage de Natacha Pizet et Mathieu Comin. Ses fans l'appellent Bambi. Pourtant, quand elle monte sur le ring, Brenda n'a rien de tendre. Après 5 ans d'entraînement, elle attire encore des regards étonnés. Quand je rencontre des gens et leur dis que je suis boxeuse, ils me disent encore « Quoi ? Toi, boxeuse ?» Ils te voient avec ta jupe, tes talons et ton sac à main et ils n'y croient pas. Elles sont pourtant des milliers dans le pays à avoir enfilé les gants. Surprenant pour un pays machiste, ici, l'amour de la boxe a fait tomber les barrières de genre. Son entraîneur, Oscar, en est le parfait exemple. Il n'aurait pas accepté de filles dans son club il y a encore quelques années. Maintenant, il en entraîne 6, dont une championne du monde. Quand je vois qu'elles faiblissent dans un combat, je leur dis « Hey, les filles, c'est vous qui nous aviez dit que vous pouviez boxer aussi bien que des hommes. C'est votre choix. On ne vous a pas invité, on ne vous voulait pas. » Brenda a même trouvé un sponsor qui lui permet de vivre de son sport tout en continuant ses études de droit. Ce soir à Acapulco, elle affronte une adversaire plus expérimentée qu'elle. Je ne veux pas qu'on rate l'occasion de montrer son talent et de montrer au public qu'un combat de filles est un spectacle aussi exaltant qu'un combat de garçon. Style, technique, tout doit être parfait. Les grandes chaînes de télévision américaines comme HBO n'ont jamais diffusé de boxe féminine. Mais ce soir, Bambi se bat en direct sur la principale chaîne mexicaine. Et Brenda gagne le même salaire qu'un homme pour ce combat. Mais si elle franchit les étapes et se hisse dans les compétitions internationales, elle sera en revanche moins bien payée que ces messieurs. Ce soir, en tout cas, elle a donné le spectacle que le public attendait. Elles sont excellentes, elles sont aussi performantes que les hommes.
C'est très bien, elles inspirent les femmes. L'arbitre les déclare ex aequo. La décision de l'arbitre m'a déçue, mais la réaction du public était en ma faveur. Acclamée par le public, une sensation grisante qui l'aidera dans sa course au championnat. Place tout de suite à notre rubrique mode. Coup de projecteur sur le prêt-à-porter de l'été 2017. Après New York, Londres et Milan, le prêt-à-porter de l'été 2017 enflamme Paris. Dans l'ancien ministère de la Défense qui deviendra son nouveau siège, le groupe de luxe Kering a planté le pavillon de son vaisseau amiral, Saint-Laurent. Un nouveau capitaine a été nommé, le Belge Anthony Vaccarello. Va-t-il imposer son style sans perdre son âme ? Je suis très fière d'Anthony parce que je quelqu'un que je connais depuis longtemps et d'avoir réussi à garder absolument ses codes à lui, les jambes, les clavicules, le bas du ventre. Et c'est vrai que je retrouve tous ces codes-là. Et en même temps, il a intégré les matières de Saint-Laurent, une forme de glam qu'on reconnaît tout de suite. C'est des sortes de rencontres, c'est des joyeux mariages. Vaccarello a joué sur l'aspect sulfureux punk du Yves Saint-Laurent des années 70, celui à qui on reprochait d'habiller les femmes comme des filles de rue. Mais aujourd'hui, le monde a bien changé. Il a réalisé une superbe première collection, un très bel hommage à Yves, mais aussi des pièces faciles à porter pour des jeunes filles. J'ai adoré, c'était très sexy. Également nouvellement nommée à la tête des collections femmes de la maison Lanvin, la canoise Bouchra Jarrar, par ailleurs elle-même patronne de sa propre maison de couture. L'enjeu est de taille, il n'est rien de moins que mondial. Je suis très émue. Il y a beaucoup d'amour partout. L'amour du corps de la femme, de sa démarche. La plus ancienne maison de couture créée par Jeanne Lanvin n'a jamais touché à son logo la femme et l'enfant. J'ai vu la digne héritière de Jeanne Lanvin, avec tout ce que ça comporte. J'ai trouvé que c'était une définition de la femme incarnée, c'est-à-dire moderne, dynamique, conquérante, avec de la simplicité, de l'élégance et surtout de l'intemporalité. Sensualité, masculinité, bien-être, volupté. Je suis hyper heureuse d'avoir présenté ma première collection, en fait. Ça a été un travail de 6 mois, ouais. Le processus de réflexion doit prendre son temps, donc c'est de l'anticipation dans tout, voilà. Pour arriver à ce moment d'alchimie totale et d'harmonie, voilà. Une nouvelle tendance se dessine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à être choisies pour diriger les destinées artistiques, et donc commerciales, des marques de luxe. Elles sont également nombreuses à présider leur propre destinée. Quand tu travailles énormément, tu dois un peu t'endurcir et puis il y a des moments où tu es obligé de mettre ta vie personnelle ou tes priorités de côté. Et ça a été un peu un challenge pour moi de me dire qu'avec tout ce qui se passait, avec tout le travail que j'avais, je voulais en plus construire une vie familiale et que je voulais pas choisir entre l'un et l'autre. Alors je sais pas si c'est un peu féministe, tu vois, de voir comme ça, mais je vais être chef d'entreprise et mère de famille. Je suis enceinte de 3 mois, donc c'est pour ça que je te dis ça. Wanda Nylon est une griffe qui travaille bien sûr les silhouettes, mais avant tout, les matières. Pour l'été prochain, Johanna Sénic a privilégié celles qui absorbent la lumière. D'autres sont tissées de fils de métal, certaines sont tressées de vinyle, mais beaucoup sont lavables en machine à 30 degrés. La matière, objet de toutes les recherches, le très conceptuel japonais Kunihiko Morigana, pour sa griffe Un réalage, a inséré des micro-capteurs dans les vêtements. Reconnues par un logiciel, elles font apparaître sur l'écran des messages cachés. J'ai voulu faire voir mes vêtements à travers une application sur tablette en réalité augmentée. Je voulais montrer le silence du vêtement. Et cela sert à quoi ? Aujourd'hui, à susciter l'attention. La technologie appliquée au design de mode ne doit pas faire oublier l'essentiel. Un vêtement se porte, doit être pratique, beau, montrer qui l'on est, appeler l'attention, voire déclencher les passions. Les vêtements de Jacquemus sont d'abord des silhouettes, 100 fois travaillées sur les métiers de la création. On travaille souvent avec une veste qu'on découpe, qu'on épingle et qu'on retravaille sur le corps, des pantalons pareils qu'on fait faire dans des tailles qui n'existent plus, enfin qui n'existent même pas, et on les épingle sur le corps et on retravaille la taille. Donc c'est vraiment un vrai travail de couture qu'on fait, c'est pas digital, c'est vraiment, c'est que des petites mains qui font tous les vêtements, même si c'est du prêt-à-porter. Chez le Belge Dries Van Noten, c'est une autre alchimie qui s'opère entre silhouette, matière et couleur. L'ambiance est chaude, humide, les fleurs sont emprisonnées dans des blocs de glace.
La collection est brûlante, une pure élégance. C'était très féminin, mais c'était aussi une collection de contrastes avec des choses qui s'opposent, comme les crus ou le noir, ou la toile avec un jacquard très sophistiqué, sans couleur ou avec beaucoup de couleurs, tout ce qui est très opposé en fait. Et puis parfois, les mannequins n'en sont pas. Manish Arora, l'empereur indien des couleurs explosives, a choisi de faire porter ses tenues bariolées par ses amis. J'adore, c'est fun, c'est drôle. Il a beaucoup de sens des couleurs, des mélanges, des choses incroyables. Moi, j'adore. Teindre un chien en bleu, mélanger les genres, truffer les vêtements de référence à Mon Petit Poney, ce jouet d'enfant des années 80. Mais faites abstraction de tout ceci et vous verrez des pièces presque portables conçues pour égayer la grisaille. Qui a le temps? Qui a le temps d'être triste ou de s'inquiéter? Des couleurs, un arc-en-ciel, du rêve. Je vous ai montré l'endroit où je voudrais vivre, où tout le monde est habillé comme ça. Tout est parfait et vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Et tout est divin. Et si c'était possible? Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programme sur notre antenne et à la semaine prochaine.